a décidé d'aller au parc à 23h10. 23h10. Ah, on va faire un petit lounge control là. C'est parti, lounge control. Et t'es sûr de vouloir le faire maintenant hein, parce qu'il y a des radars sur cette route. Ouah, on est à 19, 23, 27. Je me sens pas bien là. On freine un peu. On peut faire un vrai lounge control si tu veux, ouais. Cool. On va laisser passer la voiture de derrière parce qu'il y a une voiture derrière. Sors les trucs ou bien? Là on voit pas mais il y a une porte ouverte là-bas. Et on va essayer d'aller voir dans tout ce bâtiment. Je crois que ça a brûlé, on va aller voir faire un urbex improvisé. On est à nouveau dans le skatepark le plus pollué du monde. On va filmer 2-3 clips en trot. Après on va s'amuser à s'incruster dans son centre commercial dont le parking est toujours ouvert mais dont les magasins sont fermés. T'as eu de la chance là. Hé hey Kevin! Oui? Tu peux me filmer mon premier double whip flat? Non. Enfin avec cette trotte que Micro nous a envoyé. Merci Micro. Et c'est aussi grâce au micro que vous nous entendez. J'ai jamais fait double whip flat avec cette trotte. Bon bah voilà. Check! Au lieu de faire le pitre. Bientôt le trou dans ton jeans ressemblera. J'allais dire que bientôt ton trou dans ton jeans allait ressembler à l'achat de. De qui? De lui. Là-bas. Tu peux voir un peu votre vie privée? Non. Mmh. 304-529, numéro 68, et. Faites votre choix. Hein? Tu veux que je te tire dans le dos? Battle Flip Challenge sur ta tête. Les mecs, non, 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 non. Battle Flip Challenge sur le sélecteur. Sur toi. Non. Je sais pas si j'ai précisé que Kev il vient de commencer. On a reçu les trottes là, c'est une des premières fois qu'il en fait donc il apprend les bases. Ouais, c'était pas loin. Maintenant, celui-là, il est plus haut. Allez. Ouh, c'est un peu clair ici. Ça résonne, hein. Ah, il y a un total. Ouf. Ah oui, il faut pas oublier de prendre son ticket. Ah oui, sinon tu peux pas rentrer. Merci. Ouais. Ah oui. Ah, tu veux nous prendre une place de parc? Ouais. C'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe derrière cette porte. Il y a un ascenseur. Tu vois qu'il marche? Ah bah oui. Ah ouais, je te laisse le prendre tout seul. Mais mec, ça c'est méga discret. Il y a pas grand-chose. Hein. Si, il y a un micro-ondes. Ah ouais. Bah je te ramène avec ça. Oh, un autre truc qui me plaît bien. Ouais, des toilettes de chantier. Les extincteurs, ils sont tout cramés. Ils sont périmés. Putain, c'est l'urbex le plus incroyable que j'ai fait de ma vie. Ouais, c'est vraiment... Il n'y a plus beaucoup de pression, mais... Hé, hey, mec. Non. Bon, bah voilà, c'est 1h30. Toi, tu bosses demain. Moi, je m'en bats les couilles, je bosse pas. Bref, cette vidéo, elle avait aucun sens. On a fait un peu de trot,
On allait faire des cons dans le centre commercial et on a fait de l'urbex. Enfin, ça voulait pas dire grand chose, mais bref. Une journée normale quoi. Une journée normale, enfin une nuit normale. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour pas manquer la suite. Abonnez-vous. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Alors moi je vous dis aussi à la semaine prochaine. Bonne vidéo. Ciao.